J'ai 10 ans. C'est le jour de la mission pour entrer à l'école de la Scala de Milan. Je monte les marches d'un immense escalier qui m'amène à la salle d'examen. J'ai peur, j'ai vraiment très peur. Et pendant que je monte, il y a une foule d'enfants magnifiques, ce sont les élèves de la Scala, qui descendent, ils sont tous beaux, parfaits, minces. Moi qui ne suis ni parfaite, ni particulièrement mince, je commence à me sentir différente. Au bout de l'escalier, il y a deux dames au sourire assez figé, les mêmes qu'il faut afficher lorsqu'on danse et qu'on a des crampes insoutenables au mollet. C'est ça la danse classique. Elles nous disent, voilà, rentrez. Et c'est une énorme salle avec des énormes miroirs. Et là, je vois, nous sommes une vingtaine de fillettes et nous sommes toutes assez terrorisées par ce lieu austère. Le piano démarre une musique. Je me souviens, c'était un nocturne de Chopin. C'était magnifique. Et ces dames, elles nous disent, là, vous pouvez danser à votre façon, les pieds nus. Heureusement, je pense, parce qu'à ce moment, j'oublie tout ce que j'avais appris pendant 2 ans de cours. Et je danse, je me lance dans la danse, je suis portée par la musique. Et pendant que je danse, il y a les mots rassurants, les mots qu'avait mon professeur, mon maître, maître Murucci, lorsqu'il disait, écoute, il y a une chose importante, la technique et la passion vont faire une seule chose, le jour va venir qu'elles vont faire une seule chose. Toi, tu as la passion, c'est ton trésor. Brusquement, la musique, avec un claquement de mains, elle est arrêtée. Maintenant, il faut passer l'inspection devant ces deux dames, toujours au même sourire. Et maintenant, il y en a une qui commence à inspecter mes pieds, mes jambes, surtout mes pieds. Elle commence à les regarder avec insistance et puis elle appelle quelqu'un, sa copine, là, sa collègue, lui dit quelque chose que je ne comprends pas. Elle me dit aussi de faire un tour devant elle. Et à ce moment, la même sensation de différence, la même qui m'avait pris dans la cage d'escalier lorsque j'étais là en train de regarder les élèves, elle me reprend. Je dois être vraiment quelqu'un de bizarre, je pense. Mes pieds, ils sont vraiment bizarres. Et en cachette, je regarde les pieds de mes copines qui me semblent bien sûr les plus élégants du monde. Heureusement, ça se termine, l'inspection. Maintenant, il faut aller dans une autre salle, et celle-ci, c'est une salle de classe. C'est la classe des élèves de l'école primaire des élèves de la Scala. Et c'est une classe avec des vieux bancs en bois, avec un tableau noir, une salle de classe. Mettez-vous sur les bancs, on nous ordonne. Maintenant, on va faire l'appel. Et au fur et à mesure que les noms sont appelés, on nous indique la droite ou la gauche. Et puis, une des dames, toujours le même sourire, bien sûr, elle nous dit, maintenant, nous avons pris notre décision. Ici, à notre droite, les élèves que nous avons sélectionnés pour entrer à la Scala, et à gauche, celles que, malheureusement, nous ne pouvons pas retenir. Vous pouvez disposer. Je suis à gauche. Soudain, je comprends le pourquoi de cet examen si approfondi de mes pieds et la confirmation que je suis quelqu'un de vraiment bizarre arrive. D'un coup, les larmes commencent à couler sur mes joues. Je me souviens, plus que des larmes, c'était des sanglots désespérés. Et avec ces larmes, j'arrive quand même à descendre l'escalier et j'arrive là où il y a ma maman qui m'attend au rez-de-chaussée et je lui dis avec beaucoup de fatigue, « Maman, on m'a refusé. » D'un seul coup, en un claquement de main, ma vie, mon monde magnifique des petites filles promises à la danse s'écroule. De bonne élève, je deviens quelqu'un de mauvais, un monstre piédiforme. Aujourd'hui encore, je me revois dans les bus qui me ramènent à la maison. J'étais en sanglots. Et puis, je me revois encore pendant des années. Je devais chausser des sandales en été et j'avais honte de mes pieds sans savoir pourquoi. Personne ne me l'avait dit. Et puis,
encore pendant au moins 10 ans après cet épisode. J'avais le cœur qui se serrait à chaque fois qu'on m'amenait voir des spectacles, en croyant bien faire, des spectacles de danse, où je les regardais à la télé. Et là, c'était la souffrance qui se réveillait à chaque fois. C'était comme si j'avais perdu à jamais le mot d'être heureuse, le droit d'être heureuse, pardon. Heureusement, le temps a fait son œuvre. Un jour, je me suis libérée de ce sortilège de l'échec. Et j'ai réalisé qu'il y a 1000 façons de danser la vie. Et donc, j'ai aussi réalisé une autre chose, c'est-à-dire que cet épisode, cette blessure d'enfant, n'avait pas brisé une, voire deux choses fondamentales pour moi. C'était une, la capacité de rêver, et l'autre, la joie de vivre, celle que j'avais lorsque j'ai dansé. Et donc, jeune adulte, et même maintenant, j'ai commencé à prendre des cours, et je continue encore, des cours de danse classique, de tango, de tarantelle. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous étaler ma vie. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est normal, c'est banal. Ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à vous, ça peut-être va arriver à vos enfants. Eh bien, pour moi, il n'y a absolument rien de normal dans tout ça. Cet épisode est la manifestation d'une cruauté ordinaire que notre monde, notre système éducatif en tête, continue d'infliger aux enfants en tuant leur capacité de rêver. Et moi, je ne peux pas être complice de ça. Je ne veux pas être complice de ça. Et donc, lorsque j'ai commencé à pouvoir décider pour moi, je suis allée à l'université. Je suis d'abord allée j'ai fait des études doctorales, et j'ai fait une thèse qui s'appelle « Éduquer à la joie ». Et qu'est-ce que ça veut dire « éduquer à la joie » ? J'ai découvert d'abord que la joie, c'est ma passion aujourd'hui. Et puis, figurez-vous que j'ai découvert une chose, c'est que la joie, son mot, l'étymologie de joie, en sanskrit, c'est « yug »,« yuj », ça veut dire « le lien ». C'est la connexion, c'est la reliance. C'est magnifique. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être relié? C'est quoi être relié? Eh bien, bon, mais je pense que c'est très simple. J'ai vu ça chez les enfants, vous l'avez vécu aussi. Moi, je m'en souviens. C'est la mémoire de mon corps qui me l'a dit. C'est ce que je vivais, moi, quand j'ai dansé. Et j'ai vu les enfants, pendant qu'ils sont en train de dessiner ou de jouer ou de faire des choses qu'ils aiment particulièrement faire, oublier le monde autour de lui, autour d'eux. Ils sont tellement absorbés que vous pouvez les appeler pendant 2 heures, ils ne vous entendent pas, et en plus, ils sont en train d'apprendre sans aucune fatigue. C'est génial. Et pour moi, cette reliance, ça me ramène à ce que moi, j'ai vécu lorsque j'ai dansé sans fatigue. C'était être en contact direct avec le monde, avec le ciel et la terre, avec les animaux, les fleurs, avec les gens, avec vous. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'éducation? Ah ben, beaucoup. Parce que imaginez si on commençait à éduquer à partir de ça. Si on commençait à partir de quelque chose que la permaculture a déjà découvert. La permaculture, vous connaissez, c'est une science écologique. Hein? La permaculture dit cultiver là où c'est déjà fertile. Vous imaginez? Qu'est-ce que ça voudrait dire de commencer à pouvoir apprendre à partir de quelque chose qui est notre richesse, notre trésor? Ça serait révolutionner l'éducation. Ça serait complètement changer la face du monde. Ça serait aussi apprendre sans aucune fatigue. Dans le passé, des pédagogues, des éducateurs, des philosophes, on l'avait déjà compris, Montessori, Steiner, Freinet, ils l'avaient déjà compris, ils n'ont pas été beaucoup écoutés. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus d'éducateurs, d'enseignants, des maîtres, des maîtresses, des parents, non seulement on réplie le flambeau
de ses prédécesseurs, mais sont en train d'inventer des nouvelles pratiques pédagogiques. Je vous assure, j'en vois beaucoup, beaucoup et beaucoup. Ce sont des personnes qui inventent de nouvelles méthodes, qui sont basées toutes sur leur liberté, le respect des rythmes de l'enfant et la capacité, leur capacité de rêver. Ma joie à moi, c'est de connecter, d'être en contact avec cette reliance. Et c'est pour cela qu'avec un groupe de personnes qui savent encore rêver, j'ai fondé une alliance pour le renouveau de l'éducation qui s'appelle le printemps d'éducation. C'est parce que tout est déjà là, il faut tout simplement relier. Ça, c'est éduquer à la joie. C'est finalement se souvenir de ce qu'il disait Maria Montessori lorsqu'elle disait « La joie d'apprendre, elle est autant indispensable à l'intelligence que la respiration aux coureurs et aux danseurs aussi ».